Julie? Julie? Mon ami rentre chez lui. Mais vous n'avez pas vidé votre plat. Ma nourriture n'est-elle pas bonne? Non, madame. Tout au contraire. Elle était très excellente. Ah bon? Vous auriez dû finir vider votre plat pour me le prouver. Je ne l'oublierai pas la prochaine fois. Au revoir et bonne nuit, monsieur. À vous autant, madame. À demain. Comment s'est passée ta journée de travail? Très bien. Et ton côté, ça a été? Pas mal non plus. Mais tu vois, je me suis beaucoup ennuyée à cause de la solitude. Mon chéri, je préfère rester à la maison, attendre mon mari, cuisiner pour lui et lui faire de très beaux enfants. Ah bon? Tu comptes passer toute ta soirée à feuilleter ton journal? Bien sûr que non. Il y a des choses encore plus importantes à faire que lire un stupide papier. Que tu n'es pas au courant que pour la première fois, Mathieu a refusé de me recevoir dans son bureau. Que tu n'es pas au courant qu'il a annulé la soirée d'aujourd'hui à l'hôtel. Mais comment as-tu fait pour être au courant alors que moi je ne le suis pas? Simple question de relation. Qu'y a-t-il encore? Monsieur, il y a une jeune femme qui a insisté depuis plus de 30 minutes pour voir Monsieur Gélin. Faites-la entrer. Bien, monsieur. Ouais. Ah, Julie. Viens donc t'asseoir. Mais arrête donc de m'appeler monsieur. Tu peux m'appeler Robert. Enfin, j'oubliais. Juliette, je te présente Denise, notre nouvelle secrétaire stagiaire. Et mademoiselle, je te présente, pardon. Je vous présente Denise Gélan, l'épouse de votre directeur. Enchantée de faire votre connaissance, madame. Où est mon mari? Eh bien, pour tout dire, il n'est pas encore là. Il n'est pas encore arrivé ici, mais tu peux toujours l'attendre. Hein? C'est sûr, il ne tardera pas à venir d'un moment à l'autre. Ok. Bon, mademoiselle. Je crois que nous pouvons reprendre notre conversation. Oh, pardon. Notre texte d'aptitude. Hmm? Et en passant, combien de mots pouvez-vous taper à la seconde? 150 mots, monsieur. 150 mots? Mais c'est formidable. Et je crois que sur ce, nous allons laisser la phase théorique pour entamer la phase. Ce parfum, je le reconnaîtrai un kilomètre à la ronde. Mais monsieur. Julie? Mais qu'est-ce que tu fais ici à Paris? Ainsi, toi tu connais très bien la nouvelle secrétaire stagiaire. La nouvelle secrétaire stagiaire? Oui, oui, la nouvelle secrétaire stagiaire. Oh non, mademoiselle,
toutes mes sincères excuses pour ce malentendu. Je vous ai prié pour une vieille connaissance d'éviter. Mais il faut avouer que vous ressemblez comme deux gouttes d'eau, hein? Oui. Elle porte le même prénom.